Alors j'ai choisi d'enregistrer sur cet album de la musique française et anglaise de la seconde partie du XVIIe siècle. Pendant que le roi Soleil fait bâtir Versailles, on imite de la musique française à Westminster, au cœur de Londres. Des organistes comme Purcell ou Blow imitent la solennité et la grâce que Lully ou Niver peuvent déployer ici, dans cette chapelle royale. C'est pour cela que l'album met en regard des scènes d'Attis, de Cadmus et des danses de Fairy Queen, ou encore la célèbre passacaille d'Armide et celle de King Arthur, que Purcell aurait pu écrire avec le modèle de Lully sous les yeux. J'avais envie de faire sonner les deux instruments du château de Versailles, l'orgue de la chapelle royale ainsi que le superbe clavecin Blanchet des appartements de Madame Victoire. L'orgue et le clavecin sont connus pour être des instruments complémentaires mais aussi très différents. Il faut vraiment prendre le temps de s'habituer à une patte sonore extrêmement différente. J'ai donc choisi des transcriptions de Danglebert pour le clavecin. Il y a aussi des arrangements pour orgue de Fairy Queen et King Arthur de Purcell, réalisés spécialement pour l'enregistrement. Les échos de la musique française dans la musique anglaise sont ainsi révélés.